Tatamayo, Tatamayama Terubunto. Tatamayo, Tatamayama Terubunto. You manteroto is Obamae. Baman Saturday be pum pum. Baman Saturday dung a chan charan chan. Bamba la boite et chef d'un ton. Malaya. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Perfection qui dort au boulot. Incroyable. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. C'est quoi? Il pleuvait dans ta chambre. Ah, je vois. Tu as suivi la rediffusion du débat politique qui s'est passé. Non, ce n'est pas ça. J'ai passé la nuit à penser à Naomi. À me tourner sur mon lit comme mauvais esprit. Gars, on a encore besoin de toi. Cette fille est une fille de joie. Et tu ne peux pas supporter ce rythme de vie. Tu veux une crise cardiaque? Anto, tu ne sais pas ce que je ressens. Et sur quoi tu te bases d'ailleurs pour dire que c'est une fille de joie? Ce sont des filles faciles. Écoute. Tu vois sa copine Gila? On a passé la nuit ensemble. Oui. Je l'ai sondée par rapport à Naomi et elle m'a dit qu'elle a des projets très grands. Elle doit s'occuper de sa mère. Elle doit finir de fréquenter et prendre soin d'elle. Et tu crois que ça veut dire que tu gagnes comme laveuse, c'est que tu vas prendre soin de cette fille? Garde, trompe-toi. Tu as passé la nuit avec sa copine? Oui. C'était même plutôt facile. Elle a désespéré celle-là. Quand elle entend relation sérieuse, son corps vibre. Et en passant, tu peux aussi l'angoisser et prendre ta part. Elle est devenue mourir pour une histoire que tu sais que c'est un échec. Tu es quand même terrible, Anto. Tu me demandes de coucher avec une fille avec laquelle tu as passé la nuit. Ne sois pas naïf. C'est ce qui se fait entre mecs. Écoute, elle ne représente rien pour moi. C'est seulement une histoire de ping-pong quand je me soulage. Et tu peux aussi faire pareil. Tu vois de quoi je veux. Non, je ne me concerne pas. Et elle le sait ça. Je m'en fous. C'est pas mon problème. Donc tu prends l'enfant d'autrui, tu couches avec elle, maintenant tu me donnes. Ouais, elle m'a méchangé. Va travailler en tout. C'est pas possible ça. Et si tu me donnes, donc c'est devenu quoi? Le rallye. Moi, c'est Naomi ou rien. Naomi ou rien. Tu ne m'as toujours pas dit comment était la nuit le gars d'hier. Tu parles de quel gars? Maman sournoise. Tu veux dire que tu as oublié l'ami d'Anto? Le gars avec une chose n'a rien. Donc tu as même déjà retenu son prénom? C'est normal. Nous avons passé un moment agréable. Jelia, ne me dis pas que... Non. Tu es forte, ma copine. Je te donne les mains. Tu crois que j'allais résister à ça? Tu as vu le gars? Il est canon. En plus, il envisage quelque chose de sérieux avec moi. Et comme le mot sérieux est sorti, tu as oublié qu'il fallait attendre un peu pour te lancer. Ce qu'on a fait hier, si on le faisait dans un an, ça change quoi? On s'aime. J'espère juste que tu ne viendras pas me voir pour te consoler comme toutes les autres fois. En plus, on ne parlait même pas de moi. L'autre gars là, j'ai vu la façon dont il te regardait. Il ferait tout pour te mettre dans son lit. Celui-là, il peut toujours courir. Hein. Naomi, c'est le genre de mec que toutes les filles aimeraient se taper. Dommage, il me voyait même pas. Un gars beau avec des couches vides. Sérieux. En plus de ça, il ne sait même pas dans quoi il fait. Pourquoi tu ne donnes pas une chance? Tu sais, j'ai pas envie de me lancer dans une relation qui va me ralentir. Comment ça? On ne sait comment le lendemain. Moi, je vis aujourd'hui. Laissons demain là où il est.
Naomi, tu es notre copine. Tu es toujours en train d'écouter nos histoires d'amour. Jamais tu ne racontes tes histoires d'amour. Dis-moi, tu as un amoureux secret ou un gars que tu veux pas nous présenter? Tu as décidé de parler de tout ça ce matin. Je ne suis pas dans ces histoires. J'ai pas besoin d'une aventure qui va me ralentir dans mes projets. Ça craint. J'espère que tu n'es pas amoureuse de moi en secret. Pam, pam. Voilà la tête qu'elle fait, qu'elle vient encore de se faire larguer par un mec. Tabla, ma chérie. Ok. Ce n'est pas un souci. Je suis toujours prête à t'accueillir dans mon école pour une formation de courte durée. Ah oui, on voit comment la formatrice se fait briser à chaque fois dans ses relations. Naomi, je suis tellement positive ce matin que rien ni personne ne peut me cacher ça. Comme tu veux toujours m'accueillir dans ton école de formation, dis-moi, pourquoi tu préfères les hommes mariés aux célibataires? Tu vois, c'est moins exigeant avec les hommes mariés. C'est des rencontres et des appels qui ne durent pas. Les hommes mariés ne te mettent pas la pression. Quand vous vous voyez, chacun prend son pied. Pas de bavardage et commentaires inutiles. Et la meilleure, ce sont des très bons farouteurs. Et pam pam, tu peux te taper un autre mec qui va te... j'espère que tu vois de quoi je veux dire. Alors là, j'ai eu ma dose pour la journée. Toi, tu la fermes. Tu cherches quoi dans nos histoires d'amour? Pourtant, les tiennes, tu les gardes toujours pour toi. Raconte-moi, ma copine. Malaya! Bonjour. Bonjour. Hey, Delia, c'est ça? Je suis Patrick. L'ami de Anto avec qui on était hier. Ah, je vois. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, ça va? Tranquille. Je cherche Anto. Wow, tu es laveur de voitures. Et bon, c'est mieux que de rester à la maison et ne rien faire. Ah oui, merci vraiment de me comprendre. Je ne savais pas comment tu allais le prendre. T'inquiète pas pour moi. Je doute juste que ma copine puisse avoir une quelconque relation avec toi dans ces circonstances-ci. Pourquoi mettre l'accent sur le matériel? Faudrait la comprendre. Elle doit s'entretenir. Et ce n'est pas avec toutes ces belles paroles d'amour qu'elle pourrait prendre soin d'elle. Sois réaliste. Je vois. Je te promets, je me battrai pour elle. Je pourrais même déplacer les montagnes pour elle. Toutes les montagnes. Faudrait vraiment pas être trop sûr. Mais comme tu insistes, vas-y. Mais tu connais ma copine. D'ailleurs, je vais te faire une surprise. Tu peux m'indiquer où se trouve son salon? Oui, tu vas prendre la moto là. Anto, il est là. C'est même pas loin. Je vais là-bas. Anto, il est là. Tu peux y aller. Il est assis là-bas. Ok. Le bama la me mumar la rep kendem.